Bonjour et bienvenue sur Une voix qui porte. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette méditation qui interroge notre capacité à aimer de manière inconditionnelle. L'amour de soi, l'amour des autres personnes, telles qu'elles sont. L'amour du monde tel qu'il est. S'ouvrir au réel, sans fantasme, à l'ici et au maintenant, sans vouloir, sans exiger, ni projeter, juste aimer ce qui est. Ouvrir notre cœur au monde, ouvrir notre cœur à l'autre, aux autres, à nous-mêmes, tout simplement. Je vous invite à vous mettre dans une position confortable, agréable pour vous, dans laquelle vous êtes bien centré, aligné. Cela peut être assise, assis, en tailleur ou encore allongé. L'important est de vous sentir bien à l'aise et sans tension. Le corps, le visage, la nuque, les épaules, le ventre sont relâchés, relaxés. La respiration est calme et régulière, douce et régulière. Elle se fait, si possible par le nez, sereinement. Tandis que vous sentez l'air qui entre et sort de votre corps, vous pouvez percevoir votre ventre, votre poitrine qui monte et descend, tandis que l'air entre et sort de votre corps. Vous percevez la petite caresse de l'air sur votre peau, sous votre nez. Je vous propose de prendre quelques minutes pour méditer sur l'amour de soi, l'amour des autres, l'amitié, la tendresse, l'affection, l'admiration et toutes les expressions de l'amour dans nos vies. Sur les liens qui nous unissent les uns aux autres, les liens qui nous unissent au monde et tout ce à quoi nous sommes attachés, ce pourquoi nous éprouvons de l'affection, de la reconnaissance. Les êtres humains que nous sommes aimons, avons besoin d'être aimés. Et la démarche d'aujourd'hui consiste à ressentir, à vivre pleinement notre expérience d'amour inconditionnel, à sentir comme nous sommes capables d'éprouver un amour qui n'exige pas. Un amour qui ne veut pas posséder, mais qui laisse l'autre libre d'être ce qu'il est, tel qu'il est. Un amour du monde et de ses beautés, tel qu'il est.
en acceptant les choses qui adviennent. En se disant que quoi qu'il en soit, ce qui est, est. Aimer sans vouloir toujours plus. Simplement en jouissant de ce qui est. Nous avons en nous cette capacité, ici et maintenant. Vous pouvez la sentir en vous. Cette vie émotionnelle, cette énergie, ce flux d'amour auquel nous pouvons nous connecter à souhait. Aimer sans vouloir. Juste aimer. Sans projeter. Jouir de la beauté de ce moment. De la caresse de l'air sur la peau. Tandis que vous respirez. D'une respiration calme et régulière. Douce et régulière. Petit à petit, il vous est possible de ressentir de la joie et de l'amour pour vous-même, tandis que vous prenez conscience de votre corps plein de vie, du silence autour de vous, ou peut-être des petits bruits, de la musique, conscience des pensées qui passent et repassent, comme un flux incessant et paisible, au loin, conscience de vos émotions, conscience de cet amour en vous, cet amour qui est, cet amour qui vit, qui vous donne de la vie, cette capacité d'admirer le monde avec l'émerveillement d'un enfant qui le découvre, cette capacité qui existe en vous, qui vit toujours en vous, ici et maintenant, et vous donne de la joie tout simplement. Il est probable que des images viennent à votre esprit. Des images de choses que vous aimez, de personnes que vous aimez, d'événements joyeux. C'est tout à fait normal. Vous pouvez laisser les choses se faire dans votre esprit et observer ces pensées en vous. Observez cet amour s'épanouir en vous, dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre corps, dans votre ventre. L'amour qui habite tout votre corps et qui fait partie de vous à chaque instant. Car vous, comme moi, sommes capables de vivre cet amour inconditionnel, le ressentir au-delà même de notre corps. Sentir cette volonté en nous de protéger ce qu'on aime, vouloir le meilleur pour ce qu'on aime. Cette bienveillance est naturelle. Vous pouvez sentir cette propension en vous. Aimer sans vouloir posséder. Aimer d'amour ou d'amitié. Toujours laisser libre l'autre. Et cet amour en vous
comme un élan vers le monde, vers ceux que vous aimez, à qui vous envoyez cette intention d'amour, ce lien unique qui est à la fois uni et laisse libre, uni et libère. Vous le sentez? Dans chacune de vos inspirations, chacune de vos expirations, comme une évidence, pour laquelle je vous invite à prendre quelques instants, pour prendre conscience d'à quel point cette énergie est précieuse pour nous, et prendre le temps d'éprouver de la gratitude pour ce qu'elle nous apporte chaque jour dans nos vies. Cette énergie qui nous renforce. Éprouver de la gratitude envers les personnes que nous aimons ou que nous aurions pu aimer, pour nous-mêmes, pour le monde et sa beauté à laquelle nous pouvons nous connecter quelques instants, maintenant, cette capacité d'amour inconditionnel, disponible en nous, ici et maintenant, comme une ressource précieuse. Je vous laisse méditer à présent et à très bientôt sur Une Voix qui porte.